Bonjour et bienvenue sur adprof.fr. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un petit logiciel qui saura lire du texte. Donc pour commencer, je vais créer un nouveau projet. Donc fichier, nouveau projet. Donc, une application Windows Form que je vais renommer Narrator. Donc OK. Donc maintenant, à notre boîte de dialogue, je vais commencer par lui donner un titre, parce que Form 1, c'est pas très original, donc je clique bien dedans, texte, et là, je vais renommer. Donc faire très attention à ne pas aller dans Name, parce que là, ça change le nom de l'objet qui sera utilisé dans la programmation. Je préfère le préciser, même si la plupart le savent. Donc je vais l'appeler pareil. Narrator. Voilà. Je vais faire en sorte qu'elle ne soit pas redimensionnable, cette fenêtre. Ça m'évitera plein de complications. Donc c'est... Voilà, dans Form Border Style. Je vais utiliser quelque chose de fixe. Donc Fixed Single. Voilà, donc là, elle n'est plus redimensionnable, donc je vais tester. Ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est très bien. Je vais ajouter un bouton qui sera notre bouton lecture qui servira à lire le texte. Donc, notre bouton lecture. Voilà, et puis je vais ajouter une write text box. Donc voilà, elle est ici. C'est une boîte de texte, hein, cadre texte, que je vais étendre sur la surface de ma boîte de dialogue. Voilà. Donc pour simplifier la vie, je vais l'appeler T. Voilà. Donc là, cette fois, j'utilise name. Donc après, je vais aller dans lecture. Donc pour paramétrer notre bouton, il va falloir utiliser une fonction, la fonction SAPI. Donc on va la déclarer. Donc dim, donc SAPI, SAPI est égal. Donc a create object, donc un nouvel objet. Donc après, entre guillemets, on rajoute SAPI. SP voice. Et voilà, on a notre fonction. Maintenant, on va l'utiliser. Donc pour lire le texte qui sera contenu dans notre boîte de texte. Donc toujours SAPI. Point. Speak. Et on va rentrer le nom de la boîte. Donc là, comme on l'a renommé t.text, car on récupère le texte de cette boîte. Et voilà, la fonction est terminée. Elle est vraiment très courte. Donc par contre, elle permettra de lire seulement du texte anglophone, car la voix est anglaise. On va tester quand même. Lecture. Donc, je vais tester. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Donc après, on peut rajouter des fonctions histoire d'enrichir le texte. On peut rajouter un bouton par exemple pour donner de la couleur au texte. Histoire de voir quelques fonctions. Donc on va l'appeler couleur le bouton. Voilà. Donc en même temps, je vais ajouter la boîte de couleurs, la Color Dialog. Donc, qui s'affiche en bas, là. Donc, qui sera utilisable, mais pour l'instant, qui est masqué. Et puis, pendant qu'on y est, on fera aussi le bouton des polices. On changera la police d'écriture. Pareil, on va le renommer tout de suite. Voilà, pour la police de caractère. Donc,
On va commencer. Ben, le bouton police. On va choisir aussi la boîte de dialogue fond de dialogue, qui permettra aussi de changer la police. Voilà, comme ça on a nos deux boîtes de dialogue. Puis on va commencer par programmer le bouton couleur. Donc on va d'abord faire intervenir notre boîte de dialogue, donc qui s'appelle Color. Donc Color Dialogue 1. Voilà. Donc Show Dialogue, ça signifie qu'on affiche la boîte. Après, donc là, c'est notre texte, donc T. Donc cette fois, on va choisir la couleur du texte, donc For Color, qui sera égal à la Color Dialogue 1, donc cette fenêtre-là, dont on va récupérer la couleur. Donc color, voilà. Donc, pour ce bouton-là, ça devrait être bon. Maintenant, on va attaquer la police. Donc le même système. Donc on rentre le nom. Donc elle s'appelle font dialogue 1. On réutilise la fonction show dialogue pour afficher la boîte de dialogue. Donc le texte. Seulement cette fois. C'est le font qu'on va choisir, qui signifie la police. Font, qui sera égal à font dialogue. Point. Font. Voilà. Maintenant, on va tester tout ça pour voir si tout fonctionne. Donc, par exemple, netprof. Prof, voilà. On va lui attribuer une couleur, donc pas besoin de sélectionner le texte, puisque ça s'applique à toute la boîte de dialogue. Donc là, on va choisir une couleur personnalisée, par exemple, du vert. Voilà, du vert. Ok. Donc, pendant qu'on y est, on va tester notre bouton police. Donc on va choisir le Comics RMS, par exemple, qu'on va grossir à 20, allez. Ok. Et voilà, ça marche très bien. On va même tester la lecture après. Tout fonctionne parfaitement. Voilà. Merci d'avoir suivi ce petit cours et à bientôt sur netprof.fr.